premier monster truck du genre à être alimenté par un carburant à base d'essence, le Savage XL Octane requiert aussi quelques réglages particuliers pour bien fonctionner. On a fait l'inventaire de ce qu'il faut retenir et on vous dit tout, mais alors vraiment tout, pour que cette nouvelle version ne renferme plus aucun secret. Le Savage XL Octane est équipé d'un vrai carburateur doté d'une membrane translucide qui permet d'amorcer le gicleur principal, puis d'une vis cruciforme, la plus grosse, destinée à régler le ralenti. Nous trouvons ensuite la vis de réglage de richesse qui sert à régler la vitesse de pointe de l'engin. Puis, juste en dessous, la vis de la reprise qui permet à l'engin d'accélérer convenablement après un stationnement prolongé au ralenti. Pour régler correctement la vis de la richesse, fermez complètement celle-ci en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis, à partir de là, ouvrez celle-ci d'un tour. Pour régler correctement la vis de la reprise, fermez complètement celle-ci en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis, à partir de là, ouvrez celle-ci d'un tour et demi, plus 1 à 2 mm, pas plus. De même, cette version du Savage fait appel à un allumage électronique dont la bobine est située à l'intérieur du compartiment radio. Au même titre que les cerveaux de l'auto et de son récepteur, celle-ci reçoit un accu dédié qu'il est impératif de maintenir parfaitement chargé pour démarrer l'engin. Le Savage XL Octane nécessite sinon un carburant spécial pour fonctionner. Celui-ci sera obtenu à l'aide d'un mélange de supercarburant à 95%, additivé avec l'huile spéciale livrée dans la boîte aux côtés de l'engin. Utilisez exclusivement l'huile de temps HPI disponible chez votre revendeur pour faire votre mélange. Incorporez 40 cc d'huile pour 1 litre de supercarburant à 95%. Quand le mélange sera réalisé, faites le plein du réservoir. Saisissez l'émetteur en main et dépliez l'antenne d'émission. Basculez l'interrupteur de l'émetteur sur ON. Puis, dans l'ordre, mettez l'interrupteur de la partie réception sur ON. Puis, le coupe-circuit repérable à la gaine orange qui recouvre l'interrupteur sur le boîtier radio, également sur ON. À ce stade, assurez-vous que le starter du carburateur, qui possède deux positions, soit bien placé avec le loquet situé vers le bas, comme on le voit ici. Puis actionnez 4 ou 5 fois la membrane du carburateur de façon à amorcer celui-ci. Emparez-vous ensuite du lanceur pour mettre en marche le moteur en veillant à faire de courtes allées et venues avec la ficelle pour ne pas endommager le mécanisme de l'enrouleur. Durant les 3 premiers réservoirs minimum, votre Savage XL Octane sera en phase de rodage. Si le second rapport de boîte ne passe pas et que votre auto semble limitée au niveau de la vitesse finale, sachez que cela est tout à fait normal. Ce n'est que passé le cinquième réservoir que votre Monster commencera à délivrer ses performances optimales.